Salut tout le monde et le voilà, ce 365e jour, 365 vidéos en une année, 25 janvier 2022, c'était là où je lançais mon défi. Je vous parle de ça, rétrospective de tout, c'est parti. Bon, je profite de ce soleil pour vous emmener dans la forêt à nouveau, c'est un lieu où j'ai pas mal tourné de vidéos, ça s'est passé pas mal dans le quartier ici, au bord du lac. Il y a eu plein de moments assez forts. Au départ, ce défi vidéo, je le lançais pour faire le tri de ce que j'avais dans ma tête, comme si j'avais accumulé plein de boîtes, plein de connaissances, que ce soit en développement personnel, sur des stages, par des influenceurs, sur YouTube ou autre chaîne, par des gens que j'ai suivis, des gens qui m'inspirent, des workshops, des programmes en ligne. En fait, j'avais fait plein de choses et puis je sentais que j'avais un gros tas de connaissances, mais c'était un peu le flou, je ne savais pas exactement comment les appliquer, toutes ces choses-là. C'était le but premier de ce défi vidéo, jour après jour, avoir une réflexion, avoir une prise de conscience, avoir une question aussi, et pour faire le clair dans toutes ces connaissances. Alors, bilan, c'est que défi relevé, c'est objectif atteint, on va dire, parce que j'ai réussi à vraiment ranger beaucoup de choses, à comprendre énormément de choses. J'ai eu des interactions aussi qui ont été extrêmement bénéfiques et qui ont remis en question des propos, des réflexions et qui ont permis de rebondir, d'avoir des échanges. C'était très riche, ces moments-là, c'était extrêmement bon. Et quoi dire d'autre encore? Voilà, il y a une année, 25 janvier l'année dernière, je faisais ma première vidéo. C'était dur, la veille, j'ai eu du mal à dormir parce que je me suis engagé le 24 au soir pour faire ma première vidéo le 25. Ça s'est fait tout d'un coup, c'était tout soudain, mais en même temps, c'est comme ça aussi que ça se passe l'aventure. Alors, je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse ça parce que chacun a son mode de fonctionnement et sa façon de s'y prendre sur les projets. Moi, c'est vrai que poum poum, ça va être assez, peut dire impulsif comme ça, mais en tout cas direct. Et je réfléchissais ce projet depuis longtemps, puis j'attendais d'être prêt. J'avais même tenu une liste sur laquelle je me disais, ok, je vais pouvoir parler de ça, puis jour 2, je parlerai de ça, puis jour 3. Et voilà, bon, autant vous dire que cette liste, je ne l'ai jamais regardée, je ne m'en suis jamais servi. Ça m'étonne pas parce que c'est tellement spontané ce genre de choses, c'est ce qui se passe au jour le jour, c'est pas quelque chose qui se prépare vraiment. C'est un peu la méthode Mike Horn, 5% de prêt, on part en expédition. Là, c'était un peu le cas. En fin de compte, j'avais largement les 5%, même puisque j'avais une caméra, j'avais un logiciel déjà que je maîtrisais pas du tout, mais que j'avais déjà ouvert, j'avais déjà fait des tests un petit peu, donc je savais en gros comment ça fonctionnait. J'avais pas de chaîne YouTube, mais ça, c'est très facile à créer, c'est très rapide, et puis il suffisait de se lancer. Alors la deuxième vidéo, je crois que ça a été la plus compliquée de toutes, parce que ces premiers temps de vidéo, je tenais ma caméra, puis je parlais vite, et les idées fusaient, et je regardais même pas ce qui se passait, et puis en fait, je crois que c'est le deuxième jour où j'ai fait cet enregistrement, et quand je suis arrivé le soir chez moi pour le remettre en ligne, en fait, ça n'avait pas fonctionné, et étant donné que j'avais une lumière devant moi, je voyais pas l'écran de la caméra, et ça s'était pas enclenché, j'étais tellement en speed, et puis au fur et à mesure du temps, voilà, ça s'affinait, ça s'apaise, l'énergie se pose, les sujets ils viennent pas tous les jours, mais voilà, comme aujourd'hui j'arrive à parler beaucoup plus à l'aise devant une caméra, donc ça va m'aider pour la suite, parce que donc je développe cette activité de coaching en ligne, mental et sportif aussi, et justement de ce côté sportif, je l'ai pas beaucoup mis en avant dans ce défi vidéo, et déjà pour des côtés pratiques, parce que c'est moins facile que de prendre la caméra, de parler de quelque chose, d'un sujet. Je mets la caméra dans l'ordi, après j'avais mes presets qui étaient faits sur mon montage vidéo, c'était très rapide, et donc c'est vrai qu'en termes de facilité, c'était plus facile de parler de réflexion
que de mettre en place des choses de sport. J'en ai fait quelques-unes, des vidéos de sport, notamment quand j'étais en vacances en Sardaigne. J'ai bien aimé celle-là. Il y a une salutation au soleil, il y a une routine aussi avec des élastiques. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Mais voilà, le côté sport, je vais le développer d'ici un moment parce que voilà, on a un projet qui avance. On va s'installer dans une superbe maison dans laquelle je vais pouvoir faire ma salle de sport et où ça sera beaucoup plus facile de poser la caméra. Il y aura quelque chose de déjà installé. Je vais pouvoir plus aborder ce côté sportif et vous proposer des routines. Le côté mental, bien sûr, va continuer parce que j'adore ça. J'adore poser des réflexions, vous poser des questions aussi, et puis apporter peut-être aussi du contenu. J'espère qu'il vous inspire, qu'il vous fait réfléchir différemment à la vie. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite apporter. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, ça m'a propulsé. Je suis à, je crois, 150 abonnés maintenant sur ma chaîne. Alors, c'est vrai que c'est pas énorme par rapport à 365 vidéos, par rapport à autant de contenu sur une chaîne vidéo, autant de répétitions. C'est pas énorme, mais voilà, ça montre aussi le côté, on va dire, design, marketing, de quelle façon je me montre. J'ai pris une méthode et j'ai gardé la même toute une année. Donc je vois que celle-ci ne fonctionne pas. C'est pas qu'il me faut une année pour m'en rendre compte, mais c'est que j'ai traversé énormément de choses. J'ai passé des caps, beaucoup, beaucoup. Et parfois peut-être même plus que ce que j'ai pu faire paraître, parce que y a des jours où c'était plus difficile. Que même si j'étais dans ma vulnérabilité, dans ce défi, il y a vraiment des jours où ça a été très compliqué, des jours où j'étais pas du tout inspiré, et tout ça, ça prend une énergie parce que même si en temps, cette vidéo, elle me prenait pas beaucoup de temps, entre 5 et 10 minutes enregistrées, on va dire 10 minutes pour le montage et la mise en ligne, mais au niveau de la pensée, ça prenait beaucoup, donc j'ai pas pu développer. J'ai pas pris le temps, surtout, j'ai pas pris l'énergie de développer un peu plus le design et tout. C'est quelque chose que je vais faire maintenant. Donc les vidéos vont continuer sur un rythme moindre, mais par contre elles vont changer de format. Peut-être je vais plus faire des montages, je vais plus faire plus de contenu, plus des choses. Plus digeste, je sais pas, parce que j'ai l'impression que ça a été quand même relativement digeste, mais au lieu de faire des one shot comme je suis en train de faire encore maintenant, avec des coupages, des choses plus impactantes, on va dire. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Et moins régulière, je sais pas, la cadence. Ça, je verrai ça sur le coup. Enfin voilà, c'est la fin, c'est ma dernière vidéo de ce défi. C'était une belle aventure. Je vous remercie énormément d'avoir suivi, beaucoup ou un petit peu, même ceux qui ont suivi un peu. Il y en a compris en cours de route, il y en a beaucoup qui sont arrivés sur cette fameuse vidéo 210 où j'avais un échange avec mon beau-père qui était en fin de vie, qui d'ailleurs est parti 4 jours après ça. C'était intense et puis ça a beaucoup tourné dans son réseau et je vous remercie de l'avoir partagé, participer aussi à ça, hein, depuis cette vidéo-là, qui était très touchante. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire aussi. Je crois lui aussi, d'après ce qu'il m'a dit après, il était tout surpris de l'ampleur que ça prenait. C'est la vidéo qui fait largement le plus de vues. J'ai dépassé les 1000 vues sur cette vidéo, alors que les autres, je fais en moyenne entre, on va dire, une trentaine de vues, je pense. Donc voilà, vidéo très impactante. Ça a été un point très fort de ce défi. Voilà, je pense que c'est ça que je peux vous dire au début. Merci beaucoup. Merci pour vos interactions aussi. Il y en a eu des confrontantes et ça, je remercierai jamais assez parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est en se faisant un peu confronter, on nous pose une question. Ah ouais, mais tu dis ça, pourquoi? Puis moi, ça me fait réfléchir. Donc, merci infiniment pour ça. Et puis, je vous dis quand même à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye tout le monde!